Comment devenir éducateur canin comportementaliste chez Respect Dogs? Depuis près d'un an, nous vous proposons une formation sous forme de franchise. Je vous explique dans cette vidéo comment cela fonctionne, quel est l'intérêt de la franchise, comment se déroule le programme de la formation et en combien de temps vous pouvez être lancé. Vous l'avez vu peut-être sur notre site internet, tout le programme de formation, notre charte, notre code de déontologie un petit peu, qui vous permet de savoir si on a la même philosophie, respect du chien, respect des gens, pour savoir si déjà un partenariat est compatible. Si c'est le cas, vous pouvez motiver votre demande en bas de cette page de notre site et indiquer ce qui vous anime, ce qui vous passionne, votre parcours dans le domaine du chien et pourquoi vous voulez devenir éducateur canin. Une fois que vous aurez envoyé ce mail, je vais reprendre contact avec vous afin d'en savoir un peu plus et de vous proposer un échange en visio ou de vous recevoir. Je vous remettrai ensuite ce qu'on appelle le document d'information précontractuel. C'est le document obligatoire que tout franchiseur doit donner à un futur franchisé pour le renseigner sur la validité de ce qu'il propose. En fait, on ne peut pas proposer un système de franchise si on n'a pas un système économique et une formation qui est fiable. Donc dans ce document, nous vous rappelons les chiffres clés de l'entreprise Respect Dogs et notamment toute la partie légale et administrative, dépôt de la marque, domiciliation des comptes, extrait CABIS qui prouve la fiabilité de l'entreprise. Une fois que vous êtes intéressé et que vous voulez vous lancer dans votre secteur, votre formation va pouvoir démarrer. Une formation initiale sur 3 mois qui sera articulée autour de 7 modules théoriques et bien sûr de la pratique, ce qui est pour ma part je pense le plus intéressant, la pratique qui se déroulera dans votre secteur. Connaissance du chien, psychologie canine, éducation de base, troubles du comportement, comment mettre en place un programme d'éducation, gestion de l'entreprise et tous les atouts que vous pouvez avoir dans la franchise Respect Dogs, tous les outils qui sont mis à votre disposition. Vous recevrez chaque module par mail et on valide chacun de ceux-ci via un visio, Skype, Zoom, WhatsApp, selon ce que vous préférez. En parallèle de cette formation théorique, on travaille la pratique dans votre secteur. Nous allons éduquer des chiens ensemble là où vous comptez vous installer. Alors actuellement, il y a déjà une franchisée Respect Dogs sur Évreux, sur Le Havre, sur Rouen, sur Honfleur, Lisieux, Pont-Audemer et un franchisé qui vient de signer pour le secteur de Caen. Il y a une exclusivité, ça veut dire que je forme une seule personne par secteur et c'est un contrat de 5 ans. Donc, d'autres régions, bien sûr, sont disponibles et c'est moi qui me rends dans ces régions-là pour vous installer autour de chez vous auprès de vos futurs clients. Donc, l'avantage de la formation, c'est aussi que je vous installe chez vous, là où vous comptez travailler plus tard. Et donc, les clients que nous commençons ensemble seront également vos futurs clients de cours collectifs, vos clients qui seront amenés à continuer les séances avec vous. Au bout du 3e mois de formation, vous commencerez davantage à être autonome et commencerez à gérer vos premiers clients tout seul, toujours avec mon accompagnement. Puis, petit à petit, vous gagnerez en autonomie et irez faire vos clients vraiment tout seul. L'autre avantage de la franchise, c'est qu'il y a une formation continue durant tout le contrat de franchise, soit pendant 5 ans. Comment se déroule cette formation continue? Nous organisons régulièrement des séminaires, des points de regroupement entre tous les franchisés où nous allons pouvoir aborder différents thèmes. Ça peut être des sessions de formation sur la gestion de l'entreprise, sur avoir davantage de compétences dans tel ou tel domaine, pouvoir donner les formations pour les chiens dits dangereux, par exemple, comment organiser des cours collectifs. Voilà, autant de choses qui pourront être rajoutées
au fil du temps. Vous allez pouvoir bénéficier aussi du groupe privé où il y a un vrai travail d'équipe dès qu'il y a un problème spécifique sur un chien. Dès qu'il y a un cas qui sort un peu de l'ordinaire, il y a un échange et un partage commun entre tous les membres de l'équipe qui permet de vous accompagner, de vous aider davantage. En plus de ça, chaque semaine, nous faisons un point en équipe sur les chiens les plus problématiques, les cas les plus spécifiques, les plus compliqués. Cet échange apporte un avantage énorme comparé à quelqu'un qui se lance tout seul et qui a uniquement sa propre vision. En fait, dès qu'on évoque un cas, et bah, plus on est nombreux, bah, plus on peut apporter de solutions. Et puis un tel peut parler de ce problème-là qu'il a rencontré, qu'il a solutionné de telle ou telle façon. Donc c'est une véritable équipe qui est en train de se constituer. Déjà au bout d'un an, on est 6 maintenant dans l'équipe en tant qu'éducateur canin, sans compter toutes les personnes qui travaillent en off, qui vont vous permettre d'avoir plus de visibilité. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en plus, vous avez la visibilité sur les réseaux sociaux. On vous accompagne pour votre page Facebook professionnelle. On vous donne une visibilité sur notre site internet, une page Google My Business pour être mieux référencé de façon locale. Je vous paye la pub sur votre véhicule professionnel et également, je vous remets des flyers aux couleurs de Respect Dogs. Voilà tous les avantages que vous aurez en signant un contrat de franchise avec nous. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.respectdogs.fr, à me donner vos motivations en bas par mail. On veut des gens passionnés, motivés. Si c'est pas le cas, c'est pas la peine d'envoyer un message. À bientôt pour une nouvelle vidéo.